Bonsoir à tous. Tout d'abord, je tenais à vous remercier. Vous remercier infiniment pour tous ceux qui se sont abonnés nouvellement à ma chaîne. Ça me fait extrêmement plaisir parce que, bien sûr, ça me fait plaisir à moi parce que je vois que le travail que je fais n'est pas inutile, mais surtout parce que j'informe et que j'apporte ma petite pierre à la contribution de ce nouveau monde. Et pour ça, je vous en remercie infiniment. Par ailleurs, je voudrais vous remercier aussi de voir à quel point, en ce moment, les gens sortent comme les autruches. Vous savez, j'ai l'image de l'autruche qui sort la tête hors du sable. Quand il y a une tempête de sable, elle met la tête. Et la tempête de sable, c'était avant le confinement. Et là, comme tout se calme, elles sortent la tête hors du sable. Et elles voient ce qu'il y a autour. Et elles se rendent compte du danger qu'il y a autour. Et donc, je vous remercie parce que vous êtes beaucoup, beaucoup, beaucoup à faire ce travail sur vous. C'est pas facile. C'est pas facile parce que ça remet plein de choses en question, ça remet nos croyances, ça remet plein de choses en question, et c'est vraiment un travail très difficile au quotidien, surtout quand on est les seuls à faire ce travail. Quand on est dans notre coin à faire ce travail, on n'est pas toujours compris par les gens qui nous entourent, par les gens qui sont autour de nous, qui vivent avec nous au quotidien. Bien souvent ils disent, ça y est, elle a vrillé, n'importe quoi, c'est... mais non, en fait, vous faites juste votre travail, et si la personne qui est avec vous, elle ne comprend pas, elle ne comprend pas, c'est pas grave. Vous sentez que vous devez le faire, et donc vous le faites, et je trouve ça formidable, et je vous en remercie infiniment pour tout ce que vous faites. Je vous rappelle quand même, bon, même si je l'ai déjà fait dans une vidéo précédente, ça me relance. Je vous rappelle que nous sommes des êtres souverains, et en cette période, il est très important de ne pas l'oublier. Nous sommes des êtres souverains. Nous sommes régis par la loi maritime. Rappelez-vous de ça. Pourquoi ? Parce que quand notre corps est créé, il est créé et il se développe dans l'eau du ventre de la femme, de la mère, il se développe dans l'eau. Donc nous dépendons de la législation maritime. La preuve en est que quand la mère va accoucher, et là n'est prise en compte que la mère, la mère sur le père peut-être, là pour le coup c'est comme ça que ça se passe, quand la mère va accoucher, il y a le médecin qui vient pour constater que l'enfant est en bonne santé, qu'il va bien, qu'il n'a pas de maladie, etc., etc. Ça se passe exactement comme quand un bateau arrive à quai. Vous avez les agents qui sont là pour voir, les agents des ports maritimes, qui sont là pour voir si la cargaison qui arrive sur ce bateau, c'est une cargaison qui va être utile au pays. Et donc, à partir de là, il vous donne un certificat, une attestation avec un numéro de ciré, et pour vous dire qu'effectivement, cette cargaison est en bonne et due forme et elle est acceptée par le pays. Relation faite avec l'enfant qui vient de naître. Il vient de naître, le médecin constate qu'il est en bonne forme. Alors, ce que je vous dis, c'est généralisé, hein, je ne fais pas de... C'est généralisé. Que l'enfant vient en bonne forme, et là, qu'est-ce qu'il fait? Il fait un certificat de naissance avec un numéro. Donc, déjà là, vous avez un numéro de naissance. Avec ce papier, vous allez à l'état civil, et l'état civil déclare donc votre venue au monde. Là, vous avez encore votre numéro d'état civil, qui d'ailleurs, pour information, vous pouvez le regarder, se trouve dans tous les livrets de famille.
vous avez un, pour chaque enfant, vous avez un numéro qui lui est attribué dès qu'il est né. Ce numéro va compléter tous les autres au fur et à mesure de sa naissance. Et donc, nous sommes considérés, nous, les êtres humains, comme une pure marchandise. Ceci étant, comme nous faisons partie de la loi maritime, le problème, s'il y en a un, c'est que dans la loi maritime, quand un bateau se perd en mer, pour une raison X ou Y, il n'a pas abordé où il fallait, il a eu un problème, peu importe. Bref, quand le bateau se perd en mer, au bout de 7 ans, il est considéré comme disparu pour de bon. 7 ans. D'accord? Revenons à nous. Nous, quand on est petit, nous sommes sous la protection de notre mère. Le père, il n'a rien à voir dans l'histoire. Nous sommes sous la protection de notre mère. C'est notre mère qui signe les papiers comme quoi, effectivement, vous êtes né en bonne santé, déclaration à la mairie pour la naissance. Et c'est elle, ou les parents maintenant, hein, pour les familles, c'est eux donc qui prennent en charge tout ce qui a un rapport avec vous. C'est-à-dire qu'ils signent pour vous, d'accord, tous les papiers qu'il y a signés, qui vous concernent finalement, ils signent pour vous. Ils vous envoient à l'école en signant des papiers pour vous. Quel que soit l'organisme ou l'organisation, tout ce qui se passe dans votre vie, tant que vous n'avez pas atteint l'âge légal de 18 ans, donc la majorité, c'est les parents qui font ça pour vous. Mais il n'a été nullement demandé à l'enfant ce qu'il souhaitait lui. Ce qu'il souhaitait. Donc, tout ce qui a été signé au nom de l'enfant n'a aucune valeur légale. En tant qu'être souverain, ça n'a aucune valeur légale. Puisque l'enfant, il est né, et jusqu'à ses 18 ans, donc, comme je vous disais, il est majeur et qu'il n'est pas majeur, c'est vous qui signez, mais ce n'est pas lui. Donc, il n'a pas donné son accord. C'est un adulte qui a donné l'accord pour lui. Donc, tout ce qui a été fait en son nom n'est pas légal. Après, vous allez dire, ah, mais à 18 ans, c'est bon. Oui, sauf que, rappelez-vous, la loi maritime, au bout de 7 ans, le bateau est considéré comme disparu. Donc, les marchandises ont disparu aussi, de par le fait. L'enfant est né, il est passé par le canal de sortie du ventre de la mère et il est sorti, donc il est né. Au bout de 7 ans, est-ce que vous avez déjà entendu parler ou quoi que ce soit, qu'un enfant à 7 ans ait pu signer de sa propre main un papier qui lui était destiné. La carte d'identité, par exemple, on l'a fait maintenant dès la naissance, et qui c'est qui signe? C'est sûrement pas le bébé. Donc c'est les parents. L'enfant n'y est pour rien, il n'a pas signé sa carte d'identité. L'enfant n'a rien signé du tout. Donc, arrivé à 7 ans, l'enfant est considéré comme mort dans la loi maritime. L'enfant est considéré comme mort. Ce qui veut dire, en termes plus clairs, que nous sommes tous, à l'heure d'aujourd'hui, déclarés morts. Déclarés morts à l'âge de 7 ans. Mais ça, bien sûr, c'est des choses qu'on ne vous dit pas.
Ben non, c'est pas intéressant à savoir. Parce que vous comprenez que si vous... Il faut savoir que l'État et tout le tintouin reçoit une prime à chaque déclaration de naissance. Votre nom est envoyé, votre déclaration de naissance, pardon, est envoyée dans les plus hautes sphères, Vatican, Reine d'Angleterre, etc. Ils ont des bouquins entiers où il y a toutes les déclarations de naissance. À savoir que vous êtes coté en bourse et que pour chaque naissance, ils reçoivent, donc les hautes sphères, hein, reçoivent l'équivalent de 10 000 euros par naissance. Et que vous êtes coté en bourse, pourquoi? Parce que vous êtes considéré comme de la marchandise, que vous avez un numéro de SIRET comme toutes les entreprises. Et, regardez bien encore, les entreprises, le nom des entreprises, elles sont écrites comment? En majuscule. Votre nom de famille, il est écrit comment? En majuscule. Vous avez votre prénom et vous avez votre nom de famille qui est écrit en majuscule. Voilà. Donc, vous êtes une entreprise. Vous êtes considéré comme une entreprise. Une entreprise est faite pour faire, pour apporter de l'argent à l'État. C'est comme ça. Mais du fait que nous sommes tous déclarés morts à l'âge de 7 ans, tout ce qui est au-delà, donc tout ce qu'ils nous demandent, tout ce qui a été fait au-delà de 7 ans, n'a pas lieu d'être. C'est foreclose. Il n'y a rien qui puisse faire, puisque vous êtes déclaré mort à la au bout de 7 ans, pardon, pas à la naissance, au bout de 7 ans, vous êtes déclaré mort. Donc, vous n'avez absolument aucune obligation vis-à-vis de ce monde, parce que nous ne faisons pas partie des règles de la Terre, mais comme je vous le rappelle, nous faisons partie des règles maritimes. À partir de là, et beaucoup de gens qui sont au courant s'en servent aujourd'hui pour ne pas payer le loyer, pour ne pas payer d'eau, pour ne pas payer d'impôts, tout. Vous avez sur Internet tout. Informez-vous sur l'OPPC, hein, sur les droits légitimes maritimes. Renseignez-vous sur les êtres souverains. Vous allez voir, je vous ai déjà fait une vidéo là-dessus. Je crois que ça a été en une ou deux parties, je ne sais pas. Si vous avez la curiosité, si vous voulez le voir, vous pouvez toujours aller voir sur ma chaîne, ça y est. Mais dites-vous bien que tout ce qu'on nous impose aujourd'hui est complètement caduc. Et ça, depuis le 22 décembre 2020. 12. Tout est foreclose. Si le système aujourd'hui fonctionne encore, c'est parce que nous lui donnons la possibilité de fonctionner. Nous lui donnons le droit d'exister. C'est nous et non pas le système au final. Parce qu'on s'en tiendrait à ce que l'on est, c'est-à-dire des êtres vivants souverains. Nous, là, le corps n'est un corps de paille. Je suis la femme de paille de mon âme. D'accord? Mon âme est venue s'incarner dans ce corps. Donc, à partir de là, moi, je ne suis que la femme de paille. Mon âme n'a pas à subir ce qui se passe ici. De par ce fait, donc, en tant que femme de paille de mon âme, je suis un être souverain, puisque je suis le transport de mon âme. Je suis donc le temps qu'elle m'habite, donc le temps que je suis en vie, que mon corps est en vie, je suis son véhicule de transport pour qu'elle fasse son expérience sur Terre. De ce fait, je n'ai pas à payer quoi que ce soit, pas plus moi, que vous, que n'importe qui,
sur cette planète. Sur cette planète. Je ne parle pas que de la France, je parle du monde entier. On est tous des êtres souverains. On est tous des enfants de Dieu. D'accord? Donc, nous n'avons rien à payer. Par conséquent, l'État, lui, et tous les États du monde, nous doivent de l'argent. Ben oui, on est mort. Ils doivent de l'argent à nos parents quand on déclare un décès. Il faut... Il y a quelque chose qui doit se mettre en place. Donc ce n'est pas à nous de payer. Ce n'est pas à nous de payer. On nous doit de l'argent. On nous doit de l'argent. Donc à partir de là, il serait bon que vous vous intéressiez à tous les droits des êtres souverains. Parce que, je vous disais tout à l'heure, beaucoup s'en servent. Ceux qui sont au courant de tout ça ont réussi, soit que ce soit au niveau tribunal ou autre, ou au niveau facture, ou n'importe quoi, à ne plus rien payer du tout. La première démarche, c'est celle de s'adresser à la Banque de France. La Banque de France, elle ne fait plus partie de la France. Hein. Il n'y a plus de Banque de France, de toute façon. Hein. Elle est fermée, la Banque de France. C'est la Banque européenne maintenant, ce n'est plus la Banque de France. Ils ont envoyé un courrier à la Banque de France. Ça, ce courrier, vous pouvez le trouver sur Internet. Vous envoyez ce courrier à la Banque de France en leur expliquant exactement le fait que bon, vous êtes ça. Et vous estimez que vous n'avez pas à payer parce que vous êtes déclaré décédé à l'âge de 7 ans. Bon. À partir de là, vous n'oubliez pas, enfin, je vous donne les grandes lignes de lettres, hein, mais elle est beaucoup plus précise sur Internet, allez voir. À partir de là, vous pouvez leur laisser un temps pour une réponse. Par exemple, un mois, 15 jours, un mois, deux mois, comme vous voulez. Si au bout de ce laps de temps que vous leur avez laissé pour vous renvoyer une réponse, s'ils n'ont pas répondu, qui ne dit rien consent, s'ils n'ont pas répondu, c'est qu'ils sont, ils sont au courant de toute façon. Donc, les trois quarts du temps, ils ne vont pas répondre. Voilà, ils ne vont pas répondre. Et donc, vous êtes considéré comme étant libre. C'est-à-dire que vous n'avez plus rien à payer. Grâce au fait que vous avez envoyé ce courrier à la Banque de France et que la Banque de France ne vous ait pas répondu, vous avez des actes de renonciation pour arrêter de payer l'eau, l'électricité, toutes les factures. Toutes les factures. Votre loyer, tout. Vous avez des courriers pour tout. Vous avez des courriers, et attention parce que c'est tout à fait légal, parce que dans chaque courrier, vous avez des lois, et elles sont bien énoncées dans les courriers. Vous avez des lois en rapport avec ce que vous dites et en rapport avec la demande que vous faites. Donc, ce n'est pas des courriers faits au hasard comme ça, sans aucune... Non, c'est des courriers qui sont bien construits avec des articles de loi qui vous sont destinés. Donc, en jouant sur ce courrier plus les articles de loi, ils ne peuvent rien faire contre vous. Alors oui, bien sûr, vous pouvez vous attendre à ce qu'ils viennent taper à votre porte avec huissier et compagnie. Hein, et toujours très gentiment, vous leur dites que désolé, mais non. Et si jamais ça va jusqu'au tribunal, vous y allez et vous n'avez même pas besoin d'avocat, vous savez ça? Vous n'avez même pas besoin d'avocat. Vous seul, vous pouvez vous défendre en tant qu'être vivant, souverain. Vous pouvez vous défendre devant un avocat. Je vous conseille un site, je vous le mettrai en dessous, où il y a absolument toutes les informations avec tous les articles de loi qui concernent ce fait. Tout ce que vous devez savoir se trouve là, c'est regroupé. C'est un site qui est clair, net, concis,
Et je crois que c'est la lumière de Gaïa ou lumière sur Gaïa ou quelque chose comme ça. Enfin, je vous mettrai le lien en dessous, vous verrez. Et chaque lettre a ses articles de loi en référence avec ce que vous demandez. Vous, comme je vous dis, vous pouvez vous présenter devant le juge. Vous aurez préparé votre dossier à l'avance et en tant qu'être souverain, vous aurez des courriers et des lois à annoncer. Plusieurs êtres souverains se sont retrouvés devant les juges. Mais à partir du moment où ils disent que ils se présentent en tant que homme ou femme de paille de son être vivant souverain, déjà les juges, ils ont compris à qui ils ont affaire. Ils savent qu'ils ne pourront pas le gruger. La personne peut se défendre. Selon le dossier qu'elle aura préparé, la personne peut se défendre. Et jusqu'à aujourd'hui, je n'ai pas encore eu vent qu'une seule personne qui se soit présentée devant un tribunal tout seul, sans avocat, en tant qu'être vivant souverain, se proclamant être vivant souverain, n'ait perdu au niveau du tribunal. Donc, c'est quand même qu'il y a quelque chose à faire. Voilà. Donc, juste comme ça, petite information au passage, entre tous les remerciements et tout, je vous conseille vivement, 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 vivement d'aller regarder ce site, de vous informer sur toutes les possibilités que vous avez pour pouvoir vivre sur Terre en tant qu'être vivant souverain, chose que nous sommes tous, je vous le rappelle, puisque nous sommes tous des enfants de Dieu, donc des êtres vivants souverains. Voilà, c'était une petite vidéo, je ne voulais pas faire trop long, mais depuis tout à l'heure, je sens que il faut que je le fasse parce que la situation est critique. Ici, en 3D, la situation est critique. Comme je suis informée de pas mal de choses, et je vous dis, vous pouvez aller voir sur ma chaîne, hein, chercher, hein, vous avez le pacte contre l'humanité, vous avez l'être vivant souverain explication, donc je vous donne toutes les informations. Vous pouvez aller voir, chercher, aller voir le site que je vous... Enfin, allez voir, ou pas, hein, faites comme vous voulez, hein, ce n'est pas mon problème. Mais je vous conseille, voilà, je vous conseille de faire, d'aller le voir et de vous informer. Ceux qui ne sont pas au courant, je sais que beaucoup et de plus en plus de personnes sont au courant en ce moment que cela existe et que c'est un fait et que nous pouvons nous sortir de ce système grâce à ça. Après, il y a d'autres façons, hein, de sortir du système. Il y a la façon... De partir comme moi je le fais, je monte les énergies, les vibrations, et je me retrouve au-dessus de tout ça et ça ne me concerne plus. Le truc, c'est que il faut quand même, parce que c'est bien de monter ses énergies et ses vibrations et de se retrouver dans un autre monde qui est un monde fantastique. Néanmoins, mon corps, lui, est toujours en 3D. On est d'accord? Donc, on vit selon les règles et les lois de la 3D. Et le fait de vous renseigner sur l'être vivant souverain vous permettra de contourner en votre faveur tout ce que vous ne voulez pas adhérer au niveau de ce système. Et ça, c'est un fait établi. C'est un fait établi ici, en Amérique, au Canada et dans divers pays du monde. C'est un fait établi. Je ne vous raconte pas de bêtises. Renseignez-vous, c'est le moment. Car si vous arrêtez de tout payer, si vous arrêtez de tout payer, vous ne devenez plus esclave. Et si vous n'êtes plus esclave, mais il n'y a plus rien qui fonctionne. Il n'y a plus rien qui fonctionne. On vous doit de l'argent, c'est pas vous qui devez de l'argent. Alors on vous ponctionne tous les mois,
alors que ça serait à eux de vous payer. Il n'y a pas un cheveu dans la soupe là, quelque part, je sais pas. Quoi qu'il en soit, moi je vous dis, c'est pas la première fois que je vous en parle. Je vous en ai déjà parlé dans une autre vidéo. Je vous le redis maintenant parce que je fais juste, pardonnez-moi l'expression, mais une piqûre de rappel, hein. Histoire que vous sachiez, parce qu'il y a plein de choses qui sortent sur internet. Il y a plein de choses dans ce sens qui sortent, hein, qui voient le jour. Les gens osent parler maintenant. Vous avez des médecins qui parlent, vous avez des prêtres qui dénoncent, vous avez des experts qui dénoncent, vous avez toute une panoplie, des avocats qui dénoncent, vous avez toute une panoplie de gens qui sont là et qui dénoncent et qui sortent les vérités que jusqu'à maintenant, ils n'ont jamais osé sortir parce que ce n'était pas le moment, mais là, c'est le moment. Vous avez toutes les possibilités de vous informer via Internet. Il y a des choses, il y a tout, c'est vrai qu'on trouve un petit peu tout et n'importe quoi. Mais si vous cherchez bien, si vous cherchez bien, vous trouverez ce que vous voulez savoir. Vous trouverez votre information. Voilà, donc ne vous laissez pas abattre, ne vous laissez pas faire. Surtout, ne rentrez pas dans un conflit avec l'État ou le gouvernement ou quoi que ce soit. Ça ne servirait strictement à rien parce que eux, ils ont les armes et pas vous. La seule arme que nous avons en notre possession, c'est l'amour de notre Père qui est notre divin créateur. C'est la seule arme. Mais au final, c'est la plus puissante parce que c'est l'arme de l'amour et rien, rien, rien dans ce monde ni ailleurs ne peut détruire la force de l'amour quand il est partagé entre tous les êtres souverains que nous sommes. Donc, si nous voulons faire une action, c'est pas en sortant, en faisant la révolution dehors, que nous allons nous en sortir. La seule façon que nous avons de nous en sortir, c'est de jouer avec nos cartes à nous. Eux, ils jouent avec les leurs, c'est très bien. Grand bien leur fasse, c'est pas notre problème. Nous, on a des cartes. On a un magnifique jeu de cartes à jouer. Je vous rappelle que la vie n'est qu'un jeu. Et que nous sommes ici pour faire, enfin, que notre âme est ici pour faire une expérience. Donc, raison de plus, profitons de cela pour nous amuser à leur dépens. Pour nous amuser à jouer à notre tour, puisque jusqu'à maintenant, c'est eux qui ont joué, hein. Ils ont gagné des parties, mais ils n'ont pas gagné la guerre. Parce que pour qu'il y ait une guerre, il faut qu'il y ait deux camps adverses. Jusqu'à maintenant, il n'y avait pas de camp adverse. Jusqu'à maintenant, ils étaient tous seuls à se battre contre nous. Ils nous faisaient la guerre à nous. Mais dites-vous bien que nous avons la possibilité de leur faire la guerre sans armes. Rien qu'en étant dans l'amour et dans la lumière. En connaissant les lois qui nous régissent. C'est-à-dire les lois maritimes. Nous, êtres souverains, nous dépendons des lois maritimes. Rappelez-vous de ça. Rappelez-vous de ça. Ce qui n'a rien à voir avec les lois terrestres. Et ça n'a rien à voir avec Gaïa, la Terre, etc. Ça n'a rien à voir parce qu'en fait, c'est un ensemble de tout. Voilà. Ça n'a rien à voir. Je vous conseille vivement de faire vos recherches et de chercher ce qui se passe en ce moment. Il y a l'être souverain sur Facebook qui poste, qui a un super site et qui poste tout, comme la lumière de Gaïa qui poste tout sur les êtres souverains, tout ce qu'on nous a infligé jusqu'à maintenant, tout ce qu'on nous inflige encore parce que nous leur donnons notre pouvoir. Malgré nous, inconsciemment, nous leur donnons notre pouvoir. Et il est temps maintenant de dire stop. Voilà. Tous ceux qui croient, qui ont une foi,
qui ont un espoir, qui croient en Dieu, qui se sentent des êtres souverains parce qu'ils savent qu'ils sont des enfants de Dieu, des fils de Dieu, des âmes divines finalement, ont la possibilité de contrecarrer. Et chacun dans son coin, chacun à sa façon. Ils ont la possibilité de se défendre eux, et ils ont la possibilité de partager les informations autour de ceux qui veulent bien les recevoir, ne pas les donner à tout le monde parce qu'il y en a qui n'ont rien à faire, il y en a qui ne le croient absolument pas, et il y en a qui disent que c'est de la pure foutaise, donc c'est même pas la peine, mais pour les autres. Vous le voyez bien quand vous parlez avec les gens, ceux qui adhèrent ou ceux qui adhèrent pas. Donc déjà, faire le travail pour vous, le faire pour vous, et après, dispatcher l'information en disant, voilà, moi j'ai fait ça, ça a marché. Est-ce que ça t'intéresse ou pas? Voilà. Et c'est tout. La seule chose que vous avez à faire, c'est de vous informer et de savoir si vous voulez vraiment vous lancer dans une nouvelle vie, dans une nouvelle étape. Parce que, oui, on peut. La cinquième dimension, c'est génial. C'est top, les énergies, tout ça. C'est bien. C'est dans notre cœur, c'est dans notre ce qu'on veut faire vivre au quotidien. Mais, comme je vous dis, notre corps, pour l'instant, est encore en 3D, même si la Terre fait sa révolution et qu'elle monte en vibration, elle est encore en 3D, voire il y en a qui disent qu'elle pousse déjà vers la 4. En attendant, on a besoin de pouvoir se défendre ici et maintenant, et nous en avons la possibilité. Donc, n'hésitez pas, c'est le moment de choisir votre camp. Bonne soirée à tous.